Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour jouer à F-Zero GX sur la GameCube. C'était par Amazon Vision et Sega, ce qui était assez improbable quand on y pense, puisque F-Zero à l'époque était un porte-étendard de la Super Nintendo, notamment avec son mode 7 ultra impressionnant sur les consoles 16 bits. Et là on se retrouve avec une version GameCube éditée avec Sega. Bon, en 2003, Dreamcast n'existe plus, Sega s'est retiré du marché et il n'y a plus qu'un éditeur. Donc c'est parti, on va lancer le jeu qui a vraiment beaucoup, 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 beaucoup évolué par rapport à son prédécesseur. En tout cas, surtout au niveau du menu, vous allez voir ça. J'ai jamais vu un menu aussi fourni, sans déconner, en début de partie. On a beaucoup de choses. On a un mode Grand Prix, on a un mode Battle, donc on peut jouer à 4 sur le même écran. On a un mode Time Attack, un mode Practice, un mode Story, un mode Replay. On peut customiser dans les options. Dans les options, on va en profiter pour changer la langue. On va se mettre en widescreen. Yes. Voilà. Et on va mettre le langage en français avec un petit CCD. Voilà. Sauvegarder les changements, oui. Alors, sachez que si vous n'avez pas de carte mémoire, vous pouvez même pas sauvegarder les changements. Les changements, ouais. Faut calibrer la manette. Personnaliser. Donc on appuie sur A par exemple. Donc vous pouvez voir un peu toutes les commandes dans ce jeu. Donc il y a pas mal de commandes, mine de rien. Donc on a la direction, on a la glissade, gauche-droite, donc c'est les boutons L et R. Gâchette sur les côtés. Centre de gravité haut et bas, c'est-à-dire qu'on peut piquer vers le nez ou remonter le nez en faisant vers le haut et vers le bas. On peut changer la vue avec la petite croix. Accélérer, freiner. Les refrains, ça pas grand chose pour le moment, enfin vous allez voir, on va pas trop utiliser au début. On a une attaque latérale et une attaque tournante. Donc l'attaque tournante, si on appuie sur le bouton Z, on va avoir le vaisseau qui va faire un 360 sur lui-même et devenir très très instable sur le moment, donc c'est pas un truc à tenter tout le temps. Et on a une attaque latérale avec le bouton X. Vous allez voir, je vais beaucoup utiliser, mais je vais pas utiliser pour... Je vais pas utiliser forcément de la bonne manière, c'est surtout bien tourné, mais bon. C'est pas forcément ce qu'il faut faire. Et on a le boost avec le bouton Y. Donc on va faire autour. Les fonctions de vibration, on peut affecter vibration si on veut, voilà. Le retour. Bon, je vais passer sur les premiers menus dès le début. Donc on a le mode customisation. Alors, on va aller très loin parce que ça va être un petit peu barbatique, mais vous allez comprendre assez vite. On a plusieurs vaisseaux. Là qui disent voilà, voilà, il nous faut tel nombre de slots, donc si vous n'avez pas de carte mémoire, c'est fichu. Vous pouvez créer des données, par exemple enregistrer une machine unique, une machine exclusive d'un pilote. Donc par exemple, vous faites une machine unique. Donc on peut par exemple choisir une carrosserie. Donc là, on a pour l'instant, on a que le Phoenix Wallow. Donc on va prendre comme celle-là. Ça sauvegarde. Ah. Donc une fois qu'on a choisi celle-là, on peut changer la couleur si on veut. Donc là on a plusieurs options de couleurs. Typiquement si je fais par exemple vers le orange, la couleur va changer progressivement. Là c'est le vert, ça c'est le bleu. Bon. On peut changer la couleur du vaisseau, vous avez compris. Voilà, à chaque fois il faudra sauvegarder. Là c'est un petit peu dommage qu'il ne faudra pas sauvegarder à la fin, mais bon. Ensuite, on peut poser un emblème, par exemple. On a plusieurs emblèmes, donc New Data, on va choisir pour cette carrosserie. Sur la carrosserie, par exemple, et on a plusieurs samples. Et vous allez voir qu'on a aussi le côté slot A, slot B, parce qu'en fait, on peut créer nous-mêmes nos propres emblèmes. On a une option de dessin, donc on a... Bon, les dessins sont pas super précis, hein, je... Peut-être que la résolution du dessin, c'est 16 sur 16 ou 32 sur 32. Et du coup, on peut les placer là, les enregistrer ici, et les utiliser ensuite sur la carrosserie. Donc si par exemple, je vais mettre un champignon sur la carrosserie, voilà, on est bien ça, voilà. Le zoom avec... Non, je me suis trompé, L et R. Non, c'est pas ça. Augmenter et réduire la taille de l'emblème. Je suppose
explorer. J'ai un peu du mal avec la manette en vrai. C'est pour faire pivoter, ça c'est pour appliquer. Ça c'est pour faire le retour. Là on a l'aperçu. On va le poser, c'est pas grave, voilà. Du coup on a l'emblème qui est posé. On peut sauvegarder avec le bouton Y. Et là on peut l'enlever. Donc on va faire Y sauvegarder. Je sais jamais quels sont les... Donc on a personnalisé notre vaisseau. Bon, on va faire retour. Donc voilà, on a l'emblème Victor qui est ici et on peut acheter des vaisseaux. Donc vous pouvez acheter des machines exclusives. Il y a le choix en vrai, il y en a beaucoup. Avec ce qu'on a. Une F1 celui-là, tiens. On a la caractéristique de chaque vaisseau, bien sûr. On a donc la carrosserie, je pense que c'est la... C'est la dureté de la carrosserie, c'est-à-dire qu'on a une jauge de barre de vie, et je pense que quand par exemple on a une carrosserie E, ça veut dire qu'elle se démolit assez vite, alors que quelqu'un qui a une carrosserie en version A, je suppose que ça veut dire qu'elle tient beaucoup plus dans la durée. Booster, c'est qu'elle doit aller beaucoup plus vite, je pense, et l'adhérence, bah, c'est qu'il tourne très bien ou pas. Donc on a plusieurs vaisseaux que l'on peut acheter. On a des points en haut à droite, vous allez voir, j'en ai 0. Donc je ne peux rien acheter pour le moment. Et on a le coût à chaque fois pour chaque vaisseau, et 10, 7, 12, etc. On va pouvoir les acheter. On peut acheter des articles, des items. Là j'ai aucun objet. Et on peut acheter des kits de carrosserie pour différents des éléments, voilà. Des boosters, etc. Donc beaucoup d'options de personnalisation dans ce jeu. C'est vraiment un énorme plus par rapport au premier. Il y a vraiment une vraie gap de là pour technique, vous allez le voir au niveau graphique, et en plus au niveau des options. Alors on a un mode histoire qu'on vous montrera après rapidement. Un mode grand prix, un mode battle, un mode time attack. On va directement commencer avec un mode grand prix. On va se mettre en standard. On a trois coupes, la coupe ruby, la coupe sapphire, la coupe émeraude. On va commencer par la coupe ruby. Je débute dans le jeu, donc honnêtement on va pas être très rapide. Donc on va gaffer un petit peu, on va prendre un mode pas trop compliqué quand même. On a le Blue Falcon qui est débloqué dès le début, on a Golden Fox, Wild Goose et Fire Stingray avec plusieurs pilotes différents. Samurai Gorod, Pico, Dr. Stewart et Captain Falcon qui est, je pense, le personnage le plus connu de la série DS0. On peut charger le garage d'ailleurs. Je vais d'ailleurs prendre Captain Falcon pour commencer. Vous avez vu, on a des stats A, B, C toujours en bas, donc à vous de choisir par rapport à ça. Ce qui vous intéresse par rapport au coup que vous allez faire. Donc la prochaine course, en tout cas la première, va avoir lieu à New City. On peut voir directement les prochaines courses qui auront lieu, il y en aura 4. Bon, je ne peux pas les afficher, mais ça, ce sera la Twist Road la prochaine. Allez, c'est parti. Là, on a une balance qui nous permet de gérer un petit peu, savoir si on préfère avoir une bonne accélération ou de la vitesse. J'ai tendance à mettre un peu plus de vitesse que d'accélération, surtout pour les circuits qui sont faciles, parce que ça nous permet d'avoir une bonne vitesse de pointe. Comme on se plante pas trop, logiquement, ça devrait aller. On peut changer la couleur avec les LR, donc là on peut être rouge, bleu, d'ailleurs le personnage prend la couleur qu'on souhaite. Bon, je prends un noir, tiens, pourquoi pas. Fermé. Et c'est parti, au bout de 10 minutes de jeu, on va enfin commencer. New City, Twist Road. Les musiques sont excellentes toujours, il y a des musiques qui reprennent évidemment les musiques du premier épisode. Sur remaster bien sûr, 3 tours à faire Mid City, c'est parti, je vais me taire un petit peu. Et après on expliquera un petit peu.
Voilà, ça fut fort rapide. On a fini 10e, ce qui est pas très bien, mais bon. C'est pour la première, ça va. Alors, vous avez pu voir quand même quelques petits trucs. On a des zones, voilà, on est dessus par exemple, là derrière, qui nous permettent de recharger notre armure, sachant que je peux utiliser un boost continuel, en fait, avec la gâchette, mais qui va grappiller un niveau d'armure. C'est pour ça que des fois, vous me voyez accélérer d'un coup avec le boost. C'est tout simplement que j'utilise ce boost que l'on a continuellement, enfin que l'on peut avoir quasiment tout le temps, tant qu'on a une jauge d'énergie. Sachant qu'il faut la recharger, donc on passe par ces zones au fur et à mesure. Les mouvements, les spins que j'ai fait, c'est pour attaquer les autres concurrents. J'ai pas trop montré aussi le bouton pour pouvoir donner des petits coups sur les côtés. J'ai pas trop utilisé sur cette course. Mais on a quelques manières de pouvoir passer devant les autres. Sachant qu'il n'y a pas d'item, hein, ce n'est pas comme un Mario Kart. Attention, il n'y a pas de carapace bleue, enfin ce genre de choses, de missiles. Là, c'est vraiment du pur skill. De l'anticipation par rapport aux adversaires autour de nous. Donc on a fini 10e. Petit aparté quand même, on est 30 en piste, c'est énorme. Le jeu est ultra fluide, le jeu est ultra beau pour l'époque. Certes, les décors sont... Les pistes sont assez... Une répétition de sprite assez simple, hein, mais c'est fluide, ça va vite, c'est tout ce qu'on veut, et honnêtement, pour ça, le jeu est extrêmement réussi. Donc pour revoir la course, sans regarder la course, on va faire continuer. Et on va du coup découvrir le deuxième circuit qui est le Casino Palace. Bon, je vais mettre un max speed, ça me permet un petit peu. On va changer un peu la couleur, on va prendre le rouge. C'est parti. Alors on peut changer la vue, je ne l'ai pas encore fait. Des casinos, c'est très bien fait d'ailleurs. Bon, il faut passer dans le contexte de 2003. Hein. Alors, on a plusieurs vues, un peu plus proche, intérieur qui est super rapide et la plus éloignée. Je vais mettre entre les deux. Moi, j'aime bien cette vue, même si on voit pas trop devant nous. Et au début, vous avez vu en énergie, l'énergie est bloquée. Aïe, aïe, on est en rouge, je vois rien du tout. Je crois que je vais reprendre ma vue comme ça. J'ai envie de voir un peu plus devant moi. Mais le premier tour, l'énergie est en rouge, c'est-à-dire que je ne peux pas utiliser de boost. On a la piste qui s'affiche en bas à gauche, donc là le booster il est ok, donc maintenant je peux l'utiliser quand je veux. Alors si je gère bien ma trajectoire, je peux prendre plein de boost et du coup aller très vite. Mais vous pouvez remarquer quand je tourne, c'est assez rapide. Il faut faire gaffe de ne pas se planter. C'est très très vif au niveau des mouvements du vaisseau. Ok. On est déjà dans le tour final. Alors, j'ai pris tous les boosts qu'il fallait, donc ça fait plaisir. Good luck. Alors on est sur les circuits du début, donc ils sont assez simples. Hein. Vous avez bien sûr pas trop galéré. Après, vous voyez au niveau d'énergie, là, il va falloir vite que je me sauve. J'aurais pu utiliser le boost à la fin, je l'ai pas fait. On a fini deuxième, la course était extrêmement rapide. Hein. Ça a duré, je sais pas combien de temps elle a duré la course. Elle a duré 1 minute 20. Avec une vitesse maximale de 1660 km/h, ça va très très vite. Et ça, je me faisais une petite réflexion. Mais il y a un des concurrents, il me fait beaucoup penser à Batman. Et du coup, au niveau du classement, on est remonté un petit peu, on est deuxième. Voilà, donc on a marqué plus 93 points, parce qu'on a fini deuxième. Le premier, par exemple, a marqué 100 points, et c'est dégressif jusqu'à la dernière place. Et du coup, on est deuxième pour le moment. Et on va faire la deuxième course, qui est maintenant de difficulté 2 étoiles, donc sur le Saint-Océan. Donc on va un peu plus galérer. Je vais légèrement baisser ça. Et on va se mettre en... Bon, on va garder en rouge pour l'instant, ça nous apporte chance. On va faire confirmer. Les effets au fond qui sont quand même assez réussis. Tous les effets de chaleur au niveau du soleil qui est quand même pas mal pour l'époque. Et là, je m'arrête quelques secondes juste pour un petit aparté. Regardez.
Regardez la texture du sol, la texture des falaises. C'est typiquement les jeux avec les moteurs de rendu de Sega. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, c'est-à-dire des textures qui sont très très propres, très très nettes, enfin nettes pour l'époque. Et je pense qu'il utilise, il y a des assets qui devaient revenir entre certains jeux Sega parce que ça se ressemble. On a l'impression d'avoir un peu de... Là, j'ai l'impression d'avoir du Sonic mélangé à du Daytona 2001. Alors je crois qu'on peut faire un super départ, mais je ne sais pas encore quoi. Là pour l'instant, on va être tranquille, on va... Là je peux faire une attaque, je l'ai pas fait, hein. Pour l'instant ça sert à rien, il n'y a personne devant. Mais je vais faire des dashs sur les côtés. Là je m'en sers un peu pour tourner. C'est plus pratique. On a un rival, vous avez vu, devant nous. J'imagine qu'il faut filer devant lui pour marquer des points, peut-être plus de points, je sais pas. Le prochain tour, on va avoir les boosts, et c'est là qu'il va falloir faire attention. Voilà. Là, c'est là qu'il va falloir gérer. Utiliser un peu des boosts. Je passe vite dans la zone là. Hop ! Pour récupérer un peu d'énergie, je vais réutiliser le boost. Il n'y a que 3 tours à faire, attention. Quand je tape le mur, évidemment, je perds de l'armure. 14e, c'est pas super. Hein. Ah, il faut avoir des réflexes de ninja des fois pour éviter tout le monde. J'ai quand même réussi à prendre le boost. Là, ça va. Et faire attention de ne pas se faire toucher. Voilà, je recharge. Je recharge mon bouclier. J'ai lancé le boost au mauvais endroit. Pompé. Et on va essayer quand même d'aller chercher les mecs devant, surtout qu'on est bientôt à l'arrivée. Doit l'arriver, allez, full boost. Ouh, là on a fini combien? Deuxième ou troisième? Je sais pas. On a fini tellement proche. Troisième. Tellement proche du deuxième. On a fait de garder un petit peu d'énergie pour la fin. Alors je sais plus si on voit la. Alors ils disent this game top 6 en bas, je sais pas ce que ça veut dire. Et oui, le quatrième, il ressemble beaucoup à Batman. Hein. Cup, pas Rubicube, attention. Du coup, on a fini 3ème. Regardez l'écart entre le 2ème et le 3ème. On est à 1, même pas à 1 centième de seconde. Enfin, si, on est à 3 centièmes, pardon. 2 centièmes quelques du 2ème, donc on aurait pu finir en seconde. Donc, le classement total. Alors, on a fini 2ème, peut-être ça nous suffit. Bah oui, parce que Bleach Bull, c'était Queen Meteor qui a mal fini sa course, il est un peu plus loin que nous. Marqué que 58 points, donc on est en tête pour l'instant du classement avec 234 points. On va faire continuer, bien sûr. Il va nous rester deux courses à faire. Donc la Lightning, c'est un Loop Cross, je n'ai jamais fait cette course, je ne sais pas ce que ça va donner. Et je crois qu'après, bah, il ne reste plus que deux courses, pas une course à celle-là. Là, on va prendre la version bleue, allez. On garde ce setting. Un peu plus de vitesse que d'accélération. J'ai une table pour cette course, c'est parti. Regardez, les décors sont magnifiques.
s'est fait éclater. J'ai rebondi 14 fois sur le menu. On va faire recommencer. Je pense qu'on peut recommencer la course, ça c'est la bonne nouvelle. Ah voilà, j'aurais pas dû utiliser une seule fois le boost, je pense, parce que ça nous a enlevé toute l'énergie. Et quand on a fait que rebondir sur nous là, pas sur les autres, c'était une catastrophe. Tellement de monde en même temps. Ouais, c'est... Regardez, qu'est-ce que vous voulez que je passe avec ça? Heureusement qu'on est dans la zone qui recharge. Parce que sinon, on était mort. Alors je trouve cette vue, c'est quand même la mieux, parce que certes, elle est assez proche. Donc on voit un peu moins loin. Enfin, on voit plus loin, je veux dire, parce qu'on est un peu plus... On voit plus vers l'avant. Par contre, on est très très proche. Je crois que j'ai même pas envie d'utiliser le boost tellement qu'on va mourir. Je pense qu'il peut aussi y avoir des abandons devant, à voir ou pas. Ouais, on utilise. Je pense que la bonne technique c'est d'utiliser le boost à l'endroit où justement on recharge en même temps. Ça nous permet de garder un boost continuel. Et je l'utilise un petit peu. Je pense que la partie gauche est quand même mieux. Waouh, on fait que rebondir! Et on va gagner! Oh non! Ah, dommage, on finit deuxième, au dernier moment, on s'est fait dépasser. Mais la prise de risque a été quand même pas mal. D'avoir utilisé le boost un peu abusivement. Et du coup, on est deuxième. Ça fait plaisir. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut recommencer. Donc, du coup, bah, si on se loupe à une course, bah, quand même une chance seconde suivante. Une nouvelle chance, pardon, parce que là, par exemple, bah, j'aurais marqué 0 points, et je pense qu'en termes de championnat, ça m'aurait totalement coulé. D'ailleurs, je vais voir s'il y a des abandons, je crois pas. Si, si, disqualifié, il y a eu deux abandons. Mayfair et Green Panther. Je pense que nous, au niveau du classement général, ça doit nous aider pas mal, du fait d'avoir marqué autant de points. Et effectivement, il y avait 327 points, déjà 20 points d'avance sur le Black Bull. Et on va du coup faire la dernière petite course. Voir un petit peu ce que l'on peut débloquer, enfin en tout cas si on gagnait la coupe. Donc là c'est difficulté 5, ça va être beaucoup plus difficile. Je vais me baisser, je vais un petit peu mettre l'accélération parce que je sens qu'on va se planter. Donc c'est parti. Je rappelle qu'on est au niveau moyen. Et encore plus difficile. Waouh, c'est quoi ça? C'est quoi ce premier virage? Mon dieu. Vous voyez, j'utilise l'attaque pour tourner en fait, plutôt que d'utiliser le... pas l'aérofrein, mais... Et lui là par exemple, pour tourner ici, voilà, j'aurais pu utiliser les dash, en fait j'utilise l'attaque. C'est pas logique en soi, mais... Ah, j'ai raté le... Voilà. Eh ben merci de m'avoir envoyé encore dans le mur. Pas mal en vrai. Alors il y a des trucs sur le sol.
Attention, faut pas les toucher. Ouais. Ce premier virage, il est compliqué. C'est vraiment pas évident. Alors ceux qui ont connu ce jeu doivent me détester. Pourquoi tu utilises ça pour tourner, c'est pas ça. Attention. Oh, j'ai réussi à traverser cette zone-là. Par contre, je n'ai pas réussi à recharger, ça c'est la mauvaise nouvelle. Il me semble que j'ai vu les nombres des zones pour pouvoir ravitailler un peu. C'est ça là. Voilà, c'est bon, c'est passé. Je fais n'importe quoi, j'aurais jamais dû faire ça. Non, c'est bon. Oh! Oh, j'ai jump! J'ai jump par-dessus la chicane, c'est trop bon ça! Raté, mais pas grave. Vous devez m'entendre tapoter comme un fou alors que ça sert à rien de faire ça. Pas grave. Sans pas tomber dans le vide. Allez, on va essayer de bien se concentrer. Ouh là là, je pensais qu'on serait beaucoup mieux. J'ai cru voir les premiers devant nous. Bon, enfin les premiers assez proches plutôt. Et du coup, ben on est... Ouais, 16ème, c'est pas super. On va voir ce que ça donne au classement final. Oh, quel dommage, regardez, on finit 3ème. On finit 3ème. Et je veux pas recommencer, hein. Je dois continuer. Du coup, je vais finir la coupe 3ème. On va voir si ça me permet de gagner quelque chose ou pas. Mais oui, il y a marqué attaque en bas, 0. Je pense qu'il doit comptabiliser les attaques qu'on fait sur les autres. Je crois que j'en ai réussi aucune. Parce que si on réussit une attaque, on a un boost. Je sais pas du tout par contre. Hein. Si j'ai une attaque sur Aeropolis. Donc attaque totale 1, classement 3. 362 points. On voit carrément le... Le pilote à l'intérieur et il va bouger. Et elle regarde à tout le monde. Et du coup, c'est Batman qui remporte. Je vais l'appeler Batman, je vais me faire des ennemis, mais. Qui remporte la première coupe, la 0 Grand Prix. J'ai obtenu 12 tickets, donc normalement j'ai peut-être pouvoir acheter des trucs. On va justement aller là-dedans. On va aller dans Customize. On va aller voir le F-Zero Shop si on peut acheter une machine par exemple. J'ai 12 tickets, donc normalement je peux acheter ce que je veux. Ça c'est pas mal, on va pouvoir acheter des vrais vaisseaux. Il y a un vaisseau que je trouvais mignon. C'était... Non, c'était pas celui-là, c'était... Ouais, celui-là, je le trouvais assez particulier. Ça ressemble un peu à une F1, du coup, j'aimais bien. Là, on ressemble un petit peu à un Hordeborn.
Arme en carrosserie, il est en C, adhérence A. Il a l'air de bien tourner, par exemple. Bon, par exemple, on va prendre booster. Je ne vais pas prendre quelque chose qui a une catégorie E en carrosserie, parce que sinon on va vraiment mourir. Il faudrait quelque chose entre les deux. En vrai, lui, il a l'air pas mal. Catégorie E, non, c'est pas le bon. CCA. BBC. Il est bien, il a un petit peu entre les deux. On va peut-être prendre celui-là, par exemple. Bon, allez, c'est parti, on va prendre celui-là. Lui, il est en mode... Comment dire, on va acheter les items, voir ce qu'on a. Ah, j'ai pas d'objet encore. Il me coûte 5 à 4 tickets. Ça, je sais pas ce que c'est. Ariel... Alors ça, c'est pour la carrosserie, d'accord. Aqua Goose. Résistance. Ah oui, on a différents niveaux de résistance. Energy Crest. Scorpion, Bazooka. Je sais pas à quoi ça sert, ces trucs. Là, on a un Kitsuno 5 points avec les baffes au mieux et deux sub... je sais pas ce que c'est, ce truc. Et là, on a une petite queue à l'arrière. Le problème, c'est que 5... Ça coûte quand même... ça fait 260 kg. Hein. Je vais acheter ça, tiens. Vas-y. On va faire retour. Je sais pas si on peut équiper les machines après. Donc, si j'ai dans le garage... On va aller prendre par exemple celui-là. On va prendre par exemple celui-là, Diplo. Celui qu'on vient de débloquer du coup, parce que comme on a acheté un vaisseau, il sera utilisable après pour les parties. Donc on va prendre celui-là. Et je peux rien changer, je peux même pas changer d'élément. C'est dommage ça. Bon, je pensais que j'aurais pu faire quelque chose avec, tant pis. Allez, je vais vous montrer encore un mode de jeu qui est le mode de histoire. La disgrâce de Black Shadow. Black Shadow a échoué dans sa dernière tentative de gagner un grand prix. Il doit maintenant affronter la colère du mal personnifié. Vidéo. Entraînement de Captain Falcon. Avant notre titre, Falcon s'entraîne sans répit dans sa base secrète. Le scénario a l'air totalement ouf, totalement inédit. Allez, c'est parti. On va voir ce que ça donne. Le mode histoire. On est d'accord que Captain Falcon, il ressemble beaucoup à Judge Dredd, le film. Je trouve au niveau de la tête.
le film avec, avec Stallone. D'ailleurs, je ne sais pas s'il est sorti avant ou après par rapport au personnage, parce que le personnage, si je ne dis pas de bêtises, la première version de la série des F-Zero, je ne sais pas si c'est 91 ou 92. Et je ne sais pas quand date le film, je ne sais pas si c'est avant ou après. Allez, ramasser toutes les capsules est terminé en moins de 80 secondes. Donc c'est un défi, j'ai l'impression. On va prendre Captain Falcon. Ok, il faut que je récupère. En fait, j'ai pas besoin de prendre forcément les boosts puisque. Enfin, j'ai pas besoin de prendre les boosts parce que j'ai pas besoin d'aller vite spécialement. J'ai surtout besoin de récupérer toutes les bonus. J'ai pas besoin forcément d'aller vite. Ah, j'en ai 25 sur 25. Donc là, c'est bon. On a 30 secondes, donc là, on va pas aller vite, quoi. Enfin, on a tout récupéré. Faut quand même que j'aille un peu vite, minimum. Et voilà, mission qui est. Bon, c'était la première mission. J'ai obtenu 15 tickets déjà! J'ai gagné plus de tickets quasiment que la coupe entière que j'ai fait tout à l'heure. Le chapitre 2, le samouraï vindicatif est disponible au magasin. Ok. Là, on débloque une deuxième partie de l'histoire. Attendez, mais la ville est en feu? Oui, il y a un mec qui s'est interrogé avec la ville qui est totalement détruite, là. donc, du coup... on va faire retour. Je sais pas, par contre, pourquoi je peux pas accéder directement à la partie 2. Si je vais dans Story, est-ce que j'ai encore que cette partie qui est disponible ou pas? Non, on va faire retour. Je sais pas trop comment faire pour passer au niveau 2. Bon, enfin, de toute façon... Je vais monter mon Grand Prix, Time Attack bah, c'est la même chose mais en fait seul. Practice, on peut faire des courses, on peut choisir le nombre de concurrents, le niveau de difficulté, s'entraîner sur certains circuits. On peut voir les replays bien sûr, les profils des pilotes. Donc, si on va dedans, on peut voir un petit peu l'histoire de chaque personnage, si je dis pas de bêtises. Vous allez voir. Par exemple, si je vais sur lui, là, Octoman. Voilà, c'est un plan Takora et Planète actuellement en conflit avec la Fédération de la Voie Lactée. Les confrontations de Takora et la Fédération remontent à longtemps. Il a atteint son paroxysme. Blablabla. Bon, bref, voilà, vous avez toute l'histoire pour savoir. Je crois que chacun a une musique d'ailleurs. Oh, c'est génial! Et en plus, il danse et tout, il est super content. Et on peut voir sa machine si on veut derrière. On va juste voir. Ten Falco. Ah voilà. Vous avez la musique est différente suivant le personnage qu'on va prendre, donc ça c'est sympa. Le dernier champion du Grand Prix F-Zero, voilà, comme ça. Bon, enfin bref, vous avez toute l'histoire de chaque personnage. Et on va finir avec Piccolo. Non, Docteur Pico, hein, pas Pico. Samurai Goros, voilà, avec une autre musique. Bah écoutez, j'espère que ça vous donne envie de jouer. Honnêtement, c'est un jeu qui vaut vraiment le coup. Qui est pas facile, mine de rien. Là, je vous dis, j'étais en mode moyen sur la première coupe, c'était pas non plus super easy. Il y a quand même pas mal de choses débloquées, j'ai l'impression. Donc, mode histoire à voir si ça vaut le coup sur la durée. En tout cas, c'est un jeu qui est assez fun. Je pense que ça va être super fun de jouer à 4. Peut-être qu'un jour, vous aurez droit à une version multi à 4.
peut-être, ou deux ou trois, à voir si les gens me rejoignent sur la chaîne. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Thank you.